prospère. Unissons-nous, les dans la mer, pour récompenser prospère. Modérateur a présenté Gibiso, mon caminabiso à Sika et l'église de réveil. Alors, na lingi biso na suna ba mama ba si ba lembi ba tele mama mke ba nous to sambela pona ye azu manda na ye asika ya kokamba eglise oyo faveur en zambe za li kolona ye et puis mongongo na ye et to sama na kongo mo bimba ke mo konja ba eglise rebe ye wana zamba la tsena nguya asika ala tsena makoki asika de la bosenga papa archevêque président apostana pe ba pakato entouré ye biso nous to tanda maboko liboso. Tosenga nzambe akambaye ba pasteur nyonso ya Congo ba tosa baye ba ke kobanda lelo mukambi ya sika eglise rebe komo na ye archevêque président Ejiba Yamapia tanda maboko liboso awa tosoko na tangi ti na 5 biso nyonso tobandi kosambela 1 2 3 4 5 pambola ye. Merci d'avoir choisi, élu et oué ton serviteur. Et l'évêque, l'archevêque général Ejiba Yamapia Evariste, tu vas encore lui multiplier la sagesse infiniment variée de Dieu au-dessus de tous les sages. Tu vas lui donner encore de la flamme de feu qui va embraser ses noms. Seigneur, que tu as béni l'église du réveil dans ce pays. Va briller au-dessus de toutes choses. Nous le recommandons d'être sainte, mes seigneurs. Nous savons que tu l'as élu, tu l'as oint, tu l'as choisi, tu l'as établi et tu vas l'amener de victoire en victoire jusqu'au temps pour l'accomplissement, Seigneur, des desseins de Dieu dans ce pays et dans l'église. Voici, Seigneur, nous te le remettons d'être sainte main. Tu l'as formé, tu l'as déjà travaillé, tu l'as formé avant les âges. Pour ce temps ici, Seigneur, c'est pourquoi nous reconnaissons la prophétie. Nous reconnaissons l'accomplissement des desseins de Dieu dans ce pays, dans cette nation, au travers de ton roi, l'évariste Yamapia Ejiba, qui est aujourd'hui à la tête de l'église du réveil et qui demeure l'archevêque général par ta volonté. Et tu l'as oué pour cela. C'est pourquoi nous t'acclamons, nous te bénissons. Nous l'élevons encore davantage dans les noms glorieux, dans les noms puissants de notre Seigneur, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia! Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Ya on a lingi ko pesa lumière mwamuke kala église na biso nenge bandai ko kambama mokambi to bandaki ko benga ye évêque général. Alors milulu minene salamaki pona ko pesa mokambi kombo ya sika pwete mokambi ya eglise azali likolo ya bakambi nyonso
Yamangomba na église du réveil. Yangowana kobanda milule salamaki mardi kilelo. Mukambia église nabiso. Ali kobenga malisusu évêque général T. Kombo na ekomi archevêque président. Voilà kombo ya mukambi nabiso. Yasika. Donc, likolo ya RSC moto azali kokamba azali archevêque président représentant légal. Amen. Alléluia. Alléluia. Église du réveil ezali institution na confession religieuse. Donc, ani madame, sur le plan de l'institution, tozali na président représentant légal. Ça veut dire président Nabisso. Pardon, papa président. Alors, président Nabisso, tant que tu koya na ye na katina confession religieuse, azali na kombo tozo benga archevêque président. Tu as dit, madame? Alors, maintenant, sur le plan, il y a confession religieuse. Pour que tobo ya ba makambu oyo yangungunu tozalaka depuis tout le temps na archevêque général oyo azalaka ko dirige biso mambula nyonseler asisi mandat to pesaka ye titre oyo ya archevêque général titre ango bazaki ko respecta ngote na tango oyo tozali ko benga papa archevêque général, si vous pouvez venir. Donc, na église na biso sur le plan confessionnel ba évêque nyonso bazali ko kanga mama na archevêque général. Alors ezatengone. OK, merci. Tokomi presque na suka avant to silisa to zo ba communiquer. Yango to bengi papa évêque Pascal Mukuna pona banos. Amen. 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 Annonce na banze koza na moko. L'annonce n'est qu'une, nous n'avons qu'une seule annonce. Nous les bêtis partout. Il a plu partout. Mais nous sommes quand même réunis. Zamba pamula bini. Que Dieu vous bénisse. Batuno sobaye kolo pamula bango. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus. Amen. Image tozana yango siko. Cette image que nous avons maintenant. Ezala mukunza mboka zolanda ngo en direct. Que ça soit le président de la République, il suit ça en direct. Atindi maloba boye. Il a envoyé le parole, il a dit: dites-leur qu'il ne s'inquiète pas. Il va passer dans chaque église. Les enfants de la Seca, la semaine prochaine, vous saurez les jours où le président va passer ici. Les pentecôtistes sauront aussi les jours où le président de la ville va passer. Telle église saura quel jour le président va passer. Vraiment que Dieu le bénisse. Jusqu'à celui que l'André a allé partout. Parce qu'il a fait un programme de passer partout. Mais toi qui es venu, ton image est vue aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le souhait de la Kia. Ma ponaminos et salamana Kimia. Notre prière était que toutes les élections se passent dans la paix. Tondimi. Nous croyons que notre Dieu a agi. Amen. Et quand les élections aussi vont se passer, à ce moment-là, nous serons dans un grand stade pour glorifier Dieu par rapport à tout ce qu'il va faire. Le Dieu d'Israël. Vraiment qu'il vous bénisse. Celle-ci est l'un des pères. Mais présentement, mais pour Natangoyo, Azali n'a pas qu'États-Unis. Il réside aux États-Unis.
Voici la personne qui nous reçoit aux États-Unis. Si nous sommes arrivés aux États-Unis, notre première fois d'arriver aux États-Unis, tel que nous sommes ici, c'est lui. C'est lui qui va faire la prière de clôture. Amen. Amen. Nous sommes très contents. Moi, je suis très content. Parce que nous avons reçu l'archevêque général. Toyami archevêque général. Et l'évêque général a parlé. L'évêque général a lobby. Pourquoi je suis content? On va prier, on va terminer. Pourquoi? Parce que la fin de chaque chose vaut mieux que tout. Mieux vaut la fin que le commencement. Bon ami, comme l'évêque Pascal a parlé là. Lolenge episcopo tata Pascal a lobi. Nous croyons. Tozali kondi mama. Toutes les requêtes que l'archevêque général a données. C'est fait. Et nous croyons également ce que l'évêque général, le nouveau Yamapia, a dit. Tozali kondi mama. Et l'épiscope Motambusi à Lingomba et Jibé Amapia Oyaoutikolo. L'évêque, archevêque président, c'est du nouveau. Bon, écoutez pourquoi nous disons ça. Parce qu'aujourd'hui, l'archevêque président a dit une vérité qu'on ne dit jamais. Nous ne nous battons pas avec le Rwanda. C'est l'Amérique, la France, la France, la Belgique, la Belgique, l'Allemagne, l'Allemagne, toute la multinationale qui cherche les richesses au Congo. Bato amimbongo nyoso ya mokili nde bazobundisa kabiso. Je l'aime beaucoup. Il a dit que notre Dieu est au-dessus. Na linga kaye palobete nzambe na biso nda sali kolo. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter ces gens-là. Et ça na motoko ko sukisa bango. Parce qu'ils cherchent l'argent, les minéraux au Congo, et ils ont les armes. Personne ne peut les arrêter. Il n'y a que Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Ils risquent de nous faire ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que l'ONU va prendre les armes, prendre quelqu'un qui n'est pas élu et les mettre au pouvoir. On l'a fait en Côte d'Ivoire. Et on y a Kozomoto, Oya Longa Tena Maponami, Batena Makas, Toboy. Parce qu'on ne veut pas qu'ils prennent les minéraux. Et Badingi Ponin, Pointe Biso Toboy, Bazoa, Kita Yambo Cannabis. Ce qui est arrivé au Rwanda en génocide, c'est le MONUSCO de Rwanda qui l'a fait. Oyo non se comme la Rwanda bato ba kufa koto na koto ezali MONUSCO Rwanda de salakia. Quand vous priez, vous ne regardez pas les petites choses là. Kota la broka mikemi kiwa. Regardez les mots simples et têtes qui est derrière ça. Tala elimo azana maseke ebele ebele na ba mitu ebele amabe. Moi, j'ai vu aux États-Unis. Ngai na vi na vanda kanamboka États-Unis. La première fois que je suis allé marcher dans le front pour le Congo. Mokolo ayambo na keneko tambola na nzela pona mboka na ngai Congo. C'est le jour où les gens là, les combattants ont commencé. Ils n'avaient pas les noms de combattants. Kaka mokolo anande bato na bitumba bazaki na kombo ya bato na bitumba tende bandaki. On coupe les Congolais les têtes Basali là-bas à l'est. On coupe les têtes comme ko le chef. Kata ba Congolais ya mitu kuna na mboka nangele kuna bazaki ko kata bango mitu. Et les blancs ne parlent pas parce qu'ils sont derrière ça. Mindela bazolo batel pwete bango nde babomba mina si. Aujourd'hui nous acclamons le Seigneur Dieu avec au-dessus de ça. Betela kolo maboko yawe nzambe. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Donc,
nous qui croit que Dieu a exaucé. Parce que nous allons dire seulement amen maintenant pour remercier le Seigneur. Que Dieu a exaucé cette prière d'aujourd'hui. Qui croit? Qui croit que Dieu a exaucé? Ah oui, parce que vous scellez votre amen pour dire que tout ce que vous avez prié ainsi soit-il. Vous êtes prêts? On va s'élever, il faut dire un âme et un merci qui veut dire que je crois que c'est arrivé. Et moi quand je prie, que les 112 millions de Congolais qui n'ont rien fait crient vers Dieu. Nazali kobonde ete makila ya koto. Quand moi j'ai prié, que les seuls Congolais vomissent tous les étrangers qui tuent les gens. Toto ya Congo et sans so bazali koboma ba Congoli. Amen. Amen. Mais nous croyons que Dieu a exaucé notre prière. Merci beaucoup. On va lever nos mains. Moi je suis venu pour vous conduire à dire un bon merci de la foi. La foi veut dire que tu crois que c'est arrivé avant de le voir s'accomplir. Tu crois que c'est arrivé avant de le voir et après tu le vois. C'est ça la foi. Tu crois que c'est arrivé avant de les voir arriver. Tout ce qu'on a prié, c'est arrivé. Alors, levons nos mains. Nous allons dire, oh, notre pays est sauvé. Merci Seigneur. Nous avons la paix. Il n'y aura pas de balkanisation parce que tu nous as exaucé dans la prière de tes serviteurs. Mais levons nos mains, nous remercions le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci pour cette grande journée où l'église de réveil s'est réunie avec les leaders à la tête, avec l'onction et la sagesse, avec le cœur de compassion. Ils nous ont conduits dans cette prière avec le Saint-Esprit. Nous croyons que c'est arrivé. Nous croyons avant de le voir et nous allons le voir s'accomplir. Pas de balkanisation, pas de troubles avant ou après l'élection. Seulement ceux que tu as placés seront là. Nous te remercions en t'acclamant, en te bénissant. Nous remercions le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Zamba pamble bino les sauces. Que Dieu vous bénisse encore. Il vient encore de m'envoyer un mot. Que le président de la République dit qu'on vous dise merci. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez d'abord vous asseoir, s'il vous plaît. Faites le chemin pour le Père. Thank you.
Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Gibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Dele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre est facile, bien-aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, ils cherchent à plus se faire des disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies parce que l'ouvrier méritait son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Notre Dieu est tellement bon. Soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. Congolais et Congolaises, habitons du monde entier. Dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloub met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maloukou et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maloukou. Tous à non loin zone économique, Benebene ya cité Vodacom, tous à Awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés, Natal au Malam. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au plus 1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bébé sa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pèsi yo o komi pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a komi si bana ba autisme. Bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloqué, vina na ko changer. O bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo e pa Zambeye mokwa ko décharger bino botala o ba ko bi décharger na ko ko bomba te bolamo nzamba salinga e prophète ba opportunité pour nanga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutuni so za besoin d'opportunité na vie ma porte fungwama ba chance sala do okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine na auto zo na deux semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté ona zaki ya ko kanganga ya makazi modele nzamba débloquango na iba kité ki koza na bo pété boy vraiment délivrance tes abonnés très nécessaire. Je suis une femme pour un salaire business pour que nalinga makamunange kende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batou
tout ça, na za na ba porte fungamaka, en tout cas na sentir amour. Makola mwana oyo zo zonga normal. Zonga ça. Abana kotambola. Abana kotambola. Bima. Libéré. Nay ni sous parce que na pe sanzambe merci na makambwa salelina. Ni pe sa pe sanzambe merci parce que nzambe atangusi mwana. Bana nyoso o tu ba botamana baon. Bon nyoso tu déjà ba tambola. Mwana nga azu tambola te atakou tu kote le ma. Bolube ke mwana nga akoza la koka. Donc après ça ka mkulu na tango tu yakani ah. Lobi no mwana nga ba mwa tamboli ba moko. Ako mamo ko tele ma. Na loba ki déjà awa ezali terminus na zana bezwe ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya e pai na zambe de boko bika na dose la bino na moto. Shalom à tous, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens vers vous pour un sujet très important et que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans 1 Jean 3, verset 8. Bien-aimé, la Bible déclare, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais franchement que nous puissions comprendre que nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'année. Nous sommes arrivés au mois de novembre et au mois de décembre. C'est le mois où le diable se lève pour combattre. C'est le mois où les esprits de mort se lèvent. Ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre conscience que c'est la fin de l'année. Nous devons prier pour nos familles, prier pour nos chéris, prier pour nos fiancés, nos mères, nos mamans, nos papas. Pas tout le monde, prenez conscience, bien-aimé, parce que ce que nous sommes en train de voir là, c'est complètement grave. L'esprit de mort est là actuellement, bien-aimé. Lève-toi, prie. Prie pour ta famille, bien-aimé. Novembre, décembre, janvier, février, mars, ce sont les mois où le diable s'est levé. Ils ont besoin du sang. C'est maintenant que tu dois commencer à intercéder pour le membre de ta famille, pour ton entourage. Afin de détruire les œuvres de ténèbres, nous avons Jésus qui est notre bouclier. Nous avons le sang de Jésus. Nous voulons maintenant prier pour que le sang de Jésus inonde nos familles, que le sang de Jésus nous protège. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, le Dieu de tous les esprits, je te recommande le peuple, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit que l'esprit de mort est là. Nous voulons maintenant te voir à l'œuvre. Protège nos familles afin que le diable ne puisse pas venir prendre. Nous ne voulons pas pleurer, Seigneur. Garde nos familles, garde notre entourage, garde nos frères et sœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que le sang nous couvre. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'esprit de mort est là. Prie sincèrement pour ta famille. Parce que la mort, elle est tellement douloureuse de perdre un être cher. Bien-aimé, la mort, elle est tellement douloureuse quand on perd un être cher, elle est aussi irréversible. Je sais que le diable est là, il rôde pour détruire le peuple de Dieu. C'est maintenant qu'on doit se lever et prier. Bien-aimé, prions pour nos familles, prie pour tes amis, prie pour ta communauté, prie pour tes frères et sœurs. Nous avons tellement besoin de nos proches, nous ne voulons pas que le diable puisse venir arracher ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Même pour ton pire ennemi, prie pour ton pire ennemi. Dieu sait pourquoi il est là. Bien-aimé, c'est maintenant qu'on doit se lever. Sortons un peu dans la distraction, mettons-nous dans la prière, afin que nous puissions avoir la victoire. Nous combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous aime énormément. À la prochaine. Bye.